Hey, salut, c'est White. Ça fait 1 heure que je suis paumé dans les champs et dans la forêt, là, et je crois que je viens d'entendre du bruit. Je me dépêche. J'ai bien cru que j'allais y rester, moi. Attendez, ohé! Hein? Au secours! Oh! Je me suis perdu, vous pouvez m'aider? Oui. Eh, vous avez un joli train? Ah, et oui. Je parle pas de votre derrière. Vous pouvez me conduire à White World? Exactement. cet engin vous appartient? Oui. Laissez-moi vous dire qu'il est vachement beau. Merci. Bon, les roues ont un peu tendance à le danser le jerk, mais... Ah non, t'as cartonné. Eh, hey, vous l'avez reconnu quand même, hein? C'est Jack. Salut. Ouais, c'était une feinte, encore une fois, une intro de malade à la Hollywood, quoi. Alors, il y en a plein qui ont réclamé locomotive, petit train, wagon. Ah bah voilà. Eh, franchement, ta cartonne, il est beau. Regardez, je vous le montre sous toutes ses coutures. Même par-dessous. Il y en a des moteurs, hein. Oui, on sent que t'as été inspiré sur celui-là. Il sert à quoi, le petit bouton au milieu, là? Excellent, il y a même un chouchou. Bon. Aïe. Attends, je descends. Comme on va pas faire les choses à moitié, je vais viser un peu au niveau technique ce que tu nous as monté. Ouais. Ça m'a l'air sympa tout ça. Tout ce qui est en vert est relié donc au cockpit du chauffeur. Là en rose, on peut apercevoir le klaxon qui est placé ici en avant. Que quand on appuie, bah ça fait tut-tut. Énorme. Ah, joli, toute la mécanique et l'hydraulique. Les différents moteurs, n'est-ce pas? Les vraies roues tractionnées. Et alors, vachement sympa le système, vite, de... d'attache. Oui. Alors, dans les commentaires, ne nous demandez pas de faire une remorque ou un wagon qui s'attache, qui se détache. C'est pas possible. Mmh. On doit casser pour attacher. Et après, on peut tout recommencer, on peut plus rattacher. C'est solide? Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais, on avait dit aussi... où est-ce qu'elle est? Jacqueline? Ouais. Ah, salut! Reste pas trop derrière moi avec ton engin, là, ça me fait peur. On avait dit aussi qu'au début de cet épisode 20, on allait quand même un peu parler au niveau commentaire. Là. Ah oui, 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 oui. Exactement. Commence à y en avoir un paquet. Hein. C'est vrai que là, il y a du taf. Hein. Alors évidemment, on n'est pas en train de vous dire qu'on veut pas que vous commentiez. Au contraire, ça nous fait super plaisir que vous commentiez, likez, partagez, visionnez, regardez, appréciez, etc. Par contre, on va devoir un peu restreindre au niveau des réponses, parce que vous pensez bien que répondre à tout le monde tous les jours, c'est pas possible. Pour peu qu'on s'absente 2 jours, on revient et on prend le haut, quoi. Ouais. Donc c'est juste pour faire un peu le point là-dessus. On va répondre à tous ceux qui nous donnent des commentaires positifs et qui nous font des compliments, parce que forcément ça fait plaisir. On va bien sûr répondre aux nouveaux abonnés qui nous disent « Coucou, je viens de m'abonner !» parce qu'on aime bien souhaiter la bienvenue à ces gens-là et les remercier d'être venus et de nous faire confiance. On va répondre le maximum aux idées qui nous paraissent vraiment géniales et que nous semblent surtout plausibles et possibles à faire. Par contre, voilà, on ne peut plus répondre à tout le monde, à tous ceux qui postent « faites ceci, faites cela, j'ai une idée, j'ai ceci ». C'est pas possible, d'autant plus que souvent, c'est des idées qui se répètent, donc ça veut dire qu'on répond 4000 fois sur les mêmes. Et puis voilà, des idées, on en a noté plein, j'en ai plein mes papiers encore, je dois encore en faire plein. Donc, n'hésitez pas quand même à continuer si vous en avez le courage, parce que pour vous, c'est un commentaire, pour nous, c'est fois 100, hein. Et par jour, même plus que fois 100. Mais n'hésitez pas quand même, parce que si jamais dans vos idées, il y a vraiment un truc qui nous tape à l'œil, il n'est pas impossible qu'on vous réponde et qu'on vous dise « Ah ouais, ça m'a l'air génial, je le sens, j'ai envie. Ouais. » On y va un peu à l'envie aussi, hein, Jack. Forcément, construire quelque chose que t'as pas forcément envie ou que t'es pas inspiré de faire, c'est pas gay. Et puis, il y a des choses qu'on va construire, mais qu'on vous a dit, ça viendra, mais plus tard, parce que comme je viens de le dire, la liste est longue. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à commenter. Ça nous fait plaisir. Les lire, on les lira forcément tous. Ouais. Mais répondre à tous, ça va être chaud. C'est un peu chaud, ça devient de plus en plus chaud. Mais ouais, on est toujours là, vous verrez. Bah, pour qu'ils se rendent un peu compte, c'est quand même par jour 300 ou 400 commentaires qu'on reçoit. Hein. Ouais, et quand on sort une vidéo, c'est même plus que ça. Ouais. Donc on n'est pas du tout en train de se la péter, c'est loin d'être énorme. Il y a des youtubeurs qui ne savent même plus répondre tout simplement parce qu'ils en ont par milliers. Et que donc c'est juste impossible. Mais quand même, je le disais l'autre jour à Jack, il y a quand même un jour où j'ai bien passé facilement 2 heures à répondre à tous les commentaires. Donc imaginez 2 heures à répondre à tous les commentaires
chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, pensez bien que c'est du temps en moins consacré à faire des enregistrements, suivi de montage, pour vous offrir ceci, cela. Voilà. Cette belle locomotive Jackienne. Allez, petite vue à embarquer. On fait un autre tour, et puis on passe à la suite. Et c'est le week-end, les mecs, hein. On vous avait promis l'épisode 20 ou pas? On vient de voir sur la chaîne que vous le réclamiez haut et fort. On avait prévu de le sortir au plus tard avant fin du week-end, mais finalement, on essaie de ne pas vous décevoir une fois de plus et de le sortir le plus rapidement possible. C'est ça. Ah, ça roule, hein. Ouais, franchement, il est très beau. Je vais mettre un peu dehors. Très beau, très équilibré. Et donc, il y a d'autres wagons qui pourront venir, quoi. C'est ça. Moi, j'ai déjà prévu, hein. Le voir derrière, là. Ouais, justement, je vois. Oh, et juste un petit problème, c'est que... il n'y a pas d'adhérence sur les pneus. Ah, ouais, bon, c'est pas grave. Bon, c'est encore un petit problème au niveau du jeu. Enfin, il faudra demander à... Axolot Games qu'ils arrangent ça, parce que... Bah déjà qu'ils ont changé la puissance des réacteurs. Ouais. Ils vont sûrement travailler à tout ça, à la physique et tout. C'est ça, ouais. Par contre, c'est sûr que ça aurait été génial d'avoir un petit train comme ça dans mon parc, mais vous voyez, c'est ce que je disais dans les commentaires aussi, si je commence à faire des conceptions aussi perfectionnées que celle-ci, j'ai vraiment peur que ça fasse laguer de plus en plus mon parc, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a quand même beaucoup d'attractions, vous l'avez vu dedans. Donc je préfère me limiter pour l'instant à des attractions, je ferai peut-être un minibus pour plus tard, mais c'est une seule map, un seul enregistrement, et j'ai pas envie de le gâcher, parce que ce serait quand même beaucoup d'attractions et beaucoup de travail de perdu. C'est ça. Bon, Jack, moi, oui, je te mets une note énorme. D'ailleurs, je vais te mettre, comme les abonnés, 2 sur 20. Merde, je suis en QWERTY, je serais pas le faire. Moi, je le mets à l'envers, t'auras compris. Ouais. Ah, je te donne ça. Ah ouais, quand même. Putain. T'as vu ? Au moins ça. Spécial dédicace à tous nos abonnés qui nous mettent des 1 milliard de millions de millionnèmes sur 10 ou sur 20. Merci les gars, ça nous fait toujours plaisir, croyez-moi. Croyez-nous. Ah, c'est clair. Ouais. Et n'oubliez pas que sur BBTV nous sommes 2, parce qu'il y en a encore qui débarquent, qui sont abonnés, c'est normal, en même temps ils sont pas l'habitude, ils ont l'habitude de voir des chaînes en général qui appartiennent à une personne. N'oubliez pas qu'il y a bien Jacques. J'ai toujours envie de dire Jacqueline parce que t'es blonde. Jacques. Il y a bien Jack et White. Ouais. Alright. Allez, on passe à la suite. Ouais, t'as une petite modification ici. Ah, on va en direct. Oh. Ah ouais. Un thé. Non, j'ai... attends, il faut que je prenne les bons blocs parce que sinon ça va ressembler à rien. J'aime beaucoup ton klaxon, en plus on le voit, il est là. Franchement, j'espère que vous aimez bien ce petit train. Moi, je le trouve vraiment... voilà. Très très beau. Hein. Putain, franchement, t'as cartonné. Hein. C'est quoi la modif? Je l'ai... en fait, je... oh ouais. Le train, j'ai dû le recommencer. Hein. Ah bon? Ouais, parce qu'en fait, il y avait un souci au niveau de la boule de remorquage. Enfin, le truc d'attelage, là. Mmh. Et donc, elle n'était pas centrée. Mmh. Donc, pour faire vraiment une remorque... enfin, c'est quand même une petite astuce qu'il faut savoir. Si vous voulez faire une voiture avec une remorque, il faut savoir que la largeur de votre voiture doit faire un chiffre impair. Voilà. Ouais. Donc ça va faire 5, 7 pour ou... que le truc arrive au milieu, quoi. Voilà, exactement. Ouais, c'est ce que j'avais pas trop calculé au début sur ma limousine. Tu vas comprendre. Alors, attendez, je parle justement de limousine. Donc, j'en profite directement pour le dire que la limousine, c'était une idée qui m'a été proposée par quelqu'un. Ah. Fish Gaming FR, qui avait demandé une limousine, entre autres. Hein. Il y en a peut-être eu d'autres, mais je les ai peut-être loupés. Donc, Fish Gaming FR, tu voulais une limousine, ça arrive, c'est maintenant. A tout de suite. Ouais, redis-le, j'ai coupé. A tout de suite. A tout de suite, voilà. Ah, première journée pour mon nouveau boulot de chauffeur de limousine et j'ai déjà un client. On va le chercher tout de suite. C'est un Hummer limousine. Hein. Ah, il y a pas de klaxon par contre, ça j'ai pas encore mis. Bonjour. Bonjour. Vous avez commandé une limousine? Oui. Un instant. Non. Oh, pff, attends. Voilà. Installez-vous. Ouais. On est parti. T'as vu que t'as le petit... mais je me mettrai à l'arrière après pour montrer l'intérieur aux gens. Ouais. Pff,
Qu'est-ce qui se passe? Pas de moteur. Voyons voir. Ouais, il faut s'abaisser, voilà. Elle est encore neuve. Vous pouvez jeter un œil au niveau d'huile, s'il vous plaît? Parce que moi, je sais pas descendre. Ah. Ok, c'est bon, c'était la bougie. Ok, vous pouvez remonter. Non. Non. Ouais. Oui, il y a plein de portes. Attends, j'allais par là. Attendez, pardon. Vous êtes sûr que vous avez réparé? Ouais. Ah ouais, c'est parce qu'il y a... c'est une traction avant et que j'ai qu'une roue là. Ça va aller. Voilà, on va repartir par là-bas. Est-ce que vous désirez faire un petit tour de l'habitacle pour un peu vous rendre compte des capacités de notre nouvelle société de location de limousine? Ah oui, pourquoi pas. Je vais m'arrêter là-bas en haut et on va faire ça. Peut-être que je vais peut-être m'arrêter avant en haut en fait. Ouais. Voilà. Alors. Impeccable. Oula, on recule. Attendez, je vais quand même faire en sorte qu'on soit stable. Si ça bouge, ça va pas être pratique. Voilà. Donc vu de l'intérieur, on a bien sûr, vous l'avez vu, un switch capot. Voilà, on voit l'arrière, vous voyez les gens. Malheureusement, on ne sait sortir que par derrière. Un petit problème, mais c'est pas grave. Je vais ouvrir toutes les portes. Donc il y a la mienne. Il y a forcément la seule que je sais pour ouvrir, c'est celle-là, puisque faut l'ouvrir de chez la personne. Toutes les portes arrière. Voilà. Et le coffre. Alors pour sortir, c'est assez mal foutu, je dois le dire. Faut que je me foute dans cette vue-là, que je m'abaisse et que je me switch dans un autre fauteuil. J'avais pas envie de casser le toit. Voilà, on va sortir par derrière en gros. Excellent. Donc, je vais sortir. On a un capot, hein, vous voyez, avec les fournitures. J'étais fait les courses au Corée, tout bavard. Hein. Toujours l'IKEA. J'ai failli me faire carjacker d'ailleurs. On a les quatre portes, hein, vous voyez, quatre places à l'arrière avec, comme vous avez pu le voir, la déco, le champagne, impeccable. Vue sur le pilote. Voilà, c'est une limousine, quoi. C'est une limousine. C'est bien, ça. Et donc, comme je disais... Vue interne, s'il vous plaît, parce que je ne vois rien, merci. La seule chose, c'est que pour rentrer du côté passager, bah, il faut ouvrir la porte par ici. Et là, on peut rentrer et ouvrir et fermer sa porte. Oh oui, le design... Ouais, t'as pas mis ton frein à main, là. Elle roule? Ouais. C'est pas grave. On a fini la visite de toute façon. Impeccable. Voilà quoi, c'est une limousine Hummer. Parce que je me suis dit que vu le terrain ici, ce serait un peu chelou de mettre une limousine normale qui toucherait le sol quoi. Mais elle est fonctionnelle, elle roule. Et elle peut transporter jusqu'à 6 personnes. Enfin 5. Elle est moins jolie que ton train, hein, j'avoue. Ah ouais. Mais bon, c'est toujours ça. Hein. Ah, j'aime bien, franchement j'aime bien. Bon, pour finir ça. Je pas des blocs noirs. Ouais, ça c'est clair qu'au niveau design on est un peu limité. Ouais. Les portes bleues, j'ai vraiment des goûts de chiottes, mais c'est pas grave. Ouais. Ouais, c'est aussi un petit message aux abonnés pour ceux qui demandent essayer de faire une voiture rouge ou des trucs comme ça. Ouais, on n'a pas grand chose. Hein. En gros, on a du béton, du bois, du métal, les blocs jaunes et noirs, le carrelage blanc et les briques. Après, on se démerde avec des trucs comme ça en métal, on a du orange et du bleu et éventuellement du gris, quoi. Voilà. Bah bon, il y a le poids qui joue aussi, hein. Bon, pour terminer en beauté ce 20e épisode, je pense qu'on va se relancer sur un engin déliresque. C'est bon, ça. Ramène-toi, wouhou ! On va le construire ici. De toute façon, c'est une map poubelle, comme j'appelle ça, on fait ce qu'on veut. J'ai une petite idée. T'es prêt ? Je mets pause, vas-y. On crée ça, enfin, et on vous montre. Bref, c'est parti pour le Circus Show! Bon, c'est fait. Donc, pour l'instant, on a un nom en tête que Jack a trouvé. La balancelle de la mort. Tada! Oh putain, c'est presque une acte sous ma tronche. Bon, attention, c'est du métal, ça pèse. Hein. C'est un coup à se faire morfler un orteil, ça. Ouais, deux sièges, deux switches par siège, deux réacteurs en haut, deux réacteurs en bas de chaque côté. Ouais. Les connexions, attention, c'est ici, c'est maintenant. Ouf! Donc, vous avez compris. Il y en a un qui s'assied là. Avec son switch numéro 1, il active les réacteurs du dessus. Son switch numéro 2, il active les réacteurs du dessous. C'est les switches qu'on maintient. L'autre côté, pareil. Autrement dit, on va pouvoir décoller en synchro en faisant les réacteurs du bas pour chacun.
Et puis alors, une fois qu'on est en l'air, vous allez voir ce qui va se passer. Are you ready? Et alors le but, ce sera de se reposer comme ça sur la belle petite croix qui est là. Ok. Le Battlefoot. Ah mince, j'ai mis le 1. Bon, c'est pas grave, on retient quoi. Alors, tu comptes? Ouais. 3, 2, 1, go. Ah, ah, énorme. Attends, 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 calme, calme. Je sens que ce temps jamais être mortel. On est un peu dans une sorte de concept à la Saladier, enfin plutôt à la Sablier et truc de fleurs là. Ouh. Merde, on est de travers là, ça craint. C'est pas grave. Comment s'appelait encore le truc de fleurs là? Le transporteur de fleurs. Ouais, c'est un peu le même concept mais en plus violent peut-être. T'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, go. Oh, attends, looping. Oh, il va falloir être méchamment synchro sur ce truc. Ouais. Attends, c'est bon. Oh. Putain. Attention. Non. Ouais, t'as vu, on s'est remis droit, hein. Ouais. Attends, oh, on va y aller par petit à coup. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Ça prend, ça prend, ça prend. Je savais que le truc de balancier, ça allait être énorme. Oh putain, si on arrive à décoller très haut avec ça, on est balèze. Ouais, 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 ouais. Ouh, excellent. Oh merde. Oh, ça c'est pas cool. Attends, je descends là. Attends. Wouah. Attends, je vais nous mettre à plat là, parce que là, on n'est pas aidé quoi. Salut Iron Man. Oh putain. Ah, je suis chaud là. Bon, un bon compte à rebours, on devrait pouvoir y aller là. Ouais. Ok, vas-y. 3, 2, 1, go. Excellent, on a réussi. Premier succès. Attention, je change. Stabilisation. T'es prêt à te poser? Va falloir freiner un peu, Jack. Attention. Oh. 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 Attends. Ouais. Merde. Ouais. Wouhou. C'est génial ce truc. Et franchement c'est chouette. Oh merde. Attends, je sais plus où je suis là. Qui suis-je? Où suis-je? Ouais, ouais, vas-y. Vas-y, pousse, pousse, pousse. Non, non. Oh. Merde, à toi. De l'autre sens. Oh. T'as vu, il y a moyen. Oh, en fait, putain, je viens d'avoir une idée. Quoi? Mettre des roues sur les côtés pour qu'on sache tourner comme ça en plein. Ouais, on peut. Hein. Oh. Allez, on fait ça. Bon, totale improvisation là. On n'est pas sûr de ce que ça va donner, mais. 3, 2, 1, ignition! Oh. Ah! Ouais, c'est bon ça! Merde! Ouais, on roule là, ça roule! Ça roule! Ça balle! Punaise! Youhou! Regardez ça la synchro! Oh merde! BBTV forever! Youhou! Attends, je corrige! Oh, j'ai trop corrigé! Vas-y, vas-y, ça passe crème! Ça passe crème, vas-y! On décolle là! La lune! On arrive! Oh oh! Oh oh la lune! Ouh, j'ai fait un de ces bons sur mon siège! Regarde ça! Atterrissage! Ah merde! Ouais! De toute façon, changez! Ouh! Danse avec les stars! Oh, c'est fort ce truc! Et on est coincé, on a une roue dans le sol! Merde! Tout réacteur là, à fond! Ah!
Ah, va sortir là ou pas? Je crois pas. Bon, on a rajouté des phares sur le pied du Bigfoot. On pourrait l'appeler Bigfoot aussi. Parce qu'on voyait rien la nuit. 3, 2, 1, go! Dans l'arbre. Ah bah attends, on va esquiver l'arbre. Joli, vous avez vu ça les pros ici? Oh merde, c'est toi qui as fait lâcher là. Vas-y. Attends, vas-y. Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Ça passe pas crème. Ah merde. C'est bon. Wom 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 wom. Youp. Oh merde. Wouah. Par là-bas. Ce qui est bien, c'est que des fois, même sans parler, on se comprend sur ce qu'on va faire. Ouais. Oula. C'est bon, on est parti là. Ouh, attention là. Putain. Ah, t'as vu comment on tourne? Tokyo. Spring. Merde. Aïe. Yes, yes, no, yes, no. Merde, l'autre côté. Oh. Ouais, ça tourne beaucoup les gars. Ouais. Attends, je freine un peu le bazar. Mais qu'est-ce que tu fous? Ok. Ok. Avant, arrière? Avant. Ouais. Oh, oh putain. C'est pas grave. Oh. Arrière. Ah. Avant. Ah. Oh punaise. Oh là, vas-y. Ah merde. Ah. Voilà, mais non. Ah merde, on y était là. Attends, je me retourne. Go. Ouais. Youpi. Oh oh. Ouais, regarde, 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 regarde. Ça passe, ça passe. Ah, ah. Oh my godness. Hey, ça tourne les mecs, sérieux. Ah, c'est de l'autre côté. Attends, je me retourne. Ok, nickel. 3, 2, 1, ignition. Non, pas ce côté-là. Ah, merde. 3, ah merde, non, il y a l'arbre. Je recule un peu. Ok. 3, 2, 1, ignition. Et un beau dernier décollage pour finir cet épisode. Ouh, regardez ça. Magnificum. Ah, merde. Ah, oh, ça part en flyette. Oh, joli. Joli. Oh, tout côté, tout. Oh, merde. Oh. Ah, ça c'est du scrap mécanique comme je l'aime. Alors ouais, je sais, on a présenté une belle limousine de merde, un super beau train, et on s'éclate comme des cons nouveaux sur deux barres à mine, munis de réacteurs. Mais c'est ça qui est fun. Enfin, en tout cas, je peux vous dire que c'est vachement fun à jouer. Oh, regarde ça. Excellent, on termine sur un super quittage d'atmosphère. Et vous allez voir comment on va atterrir comme deux pros, regardez bien. Oh merde. Oh non, mais ça c'était pas prévu. Battle control, Houston, Houston, Houston. Oh, c'est encore ma casquette qui prend. Attention, en dessous. 3, 2, 1, go. Ah, t'es plus là. J'ai jamais sauté. Oh putain, il m'a abandonné les mecs. Vous savez quoi? Je quitte la chaîne, je pars. Je m'en vais. Excellent. Je ne sais pas sur un épisode 21. Ouais. Je peux plus lui faire confiance, il m'abandonne en plein vol. Voilà, ce, c'est la fin de la série. Voilà, c'est terminé. Non, on déconne. Hein. Non, je déconne pas, je me casse. Je vais râler dans mon coin. Allez, c'était l'épisode 20, on espère que ça vous aura plu quand même. On a fait notre possible, en très peu de temps, comme d'habitude. Parce qu'on a beaucoup de zombies à tuer en ce moment. Exactement. On vous dit à bientôt. Ciao. Et merci encore pour tout. Ouais. Allez, Jacqueline, on se fait la bise. Ouais. Bisous, bisous.